Et bonjour à tous, bienvenue sur Mundus Bellicus, la chaîne des fans de jeux de stratégie d'histoire, et aujourd'hui c'est Aragox pour une nouvelle vidéo sur Galactic Civilization 3. Galactic Civilization 3 que je rejoue, hein, je vous refais une vidéo, tout simplement parce qu'Epic Games a ressorti le jeu, et que l'ancienne vidéo de présentation qui date d'il y a plus de 3 ans est passée de quelques 400 vues à 9000 vues, enfin presque 9000 vues. Donc du coup, je me suis dit que ce serait peut-être le moment faire une nouvelle vidéo tuto, parce que le jeu a énormément changé. Quand je dis énormément changé, c'est que j'ai la boîte du jeu, je sais plus où, avec le petit livret qui vous explique les règles du jeu, et y a plus rien qui marche. Voilà, il y a tout qui est faux dans le livret maintenant. Donc on en est à la version 4.01 du jeu. Par rapport à la V1, il n'y a plus rien. Plus rien qui est identique à la sortie du jeu. Au passage, pour ceux qui ont eu le jeu sur Epic, je crois que vous ne l'avez que en anglais. Et ben, je suis désolé, je ne sais pas comment vous faire mettre la traduction française. Alors, pour avoir la traduction française, à l'époque de la sortie du jeu, il n'y avait pas de traduction française. Ils ont sorti la traduction 4 mois après, je dirais, à peu près. Et ça s'est mis automatiquement sur Steam. Hein, donc, sur Steam, quand vous avez le jeu sur Steam, vous pouvez l'avoir en français. Là, pour Epic Games, je ne sais absolument pas comment mettre. Alors, essayez d'appuyer sur les trois petits points, d'aller dans les options. Il devrait y avoir des options sur Epic pour mettre en français. S'il n'y a pas, eh ben, essayez de chercher les traductions sur Internet. Normalement, en touchant une ligne de code, ça devrait y aller. Ça devrait aller. Vous prenez Notepad++, vous fouillez un petit peu les fichiers du jeu, vous devriez trouver une ligne qui s'appelle English, vous mettez French, ça passe. Voilà, voilà. Donc, j'ai allumé le jeu. Il faut savoir que j'ai toutes les extensions du jeu. Prenez les extensions, hein, c'est comme Civilization 5 et 6, c'est-à-dire que sans les extensions, c'est... Boah, c'est un jeu sympathique sans plus, mais avec les extensions, ça prend vraiment une toute autre dimension. Je vous montrerai plus tard, vers la fin de la vidéo, une grosse partie entamée avec 24 pays, 24 races et tout ça. Vous allez voir, c'est très très cool. Voilà, donc je regarde que tout va bien, oui, tout va bien. Donc... Galactic Civilization 3, jeu de 4X spatial, comme son nom l'indique, hein, c'est un civilisation-like dans l'espace, troisième du nom. Et les particularités de celui-ci vont être au niveau déjà de la personnalisation et, de la conception de votre faction. Je m'explique. Moi, dans le concepteur de civilisation. Donc vous pouvez tout modifier, le nom, le surnom, l'indicatif d'appel, le logo, vous avez même le droit, regardez, créer une image PNG en 512 x 512 et vous la copier. Et vous pouvez donc choisir votre propre image, par exemple... J'ai pas mon image personnalisée, c'est pas grave, parce que j'ai pas mis les DLC. Vous avez les portraits, voilà, hop. Tous les petits portraits qui se trouvent ici. Vous avez ici les aptitudes que vous pouvez mettre. Alors vous avez que ça, avec les extensions, la liste triple. Le nombre d'aptitudes, ça triple. Quand je vous dis que les extensions ajoutent énormément de choses, c'est un truc de fou. Donc vous avez des points à mettre. Vous pouvez mettre des malus pour avoir plus de points, des bonus. Vous réduisez les points, vous faites votre faction comme vous voulez. Choisir l'apparence des vaisseaux. Vous pouvez choisir tout. Le style terrien, le style drangien, etc. Et la personnalisation, donc c'est comment l'IA va jouer votre personnage. Par exemple, je vais faire une IA malveillante, agressive, cruelle, expansionniste, opportuniste. Voilà, tu vois, elle saisit sa chance lorsqu'elle détecte des faiblesses. Elle est xénophobe aussi, ouais, tant qu'à faire. Voilà. Voilà, vous pouvez même modifier les textes. Hein. Quel est le slogan de la civilisation, voilà. Etc, etc. Donc vous pouvez tout modifier. Et c'est pareil pour les vaisseaux. Donc les vaisseaux, le concepteur de vaisseaux. Donc là, je vous présente hein, vite fait la généralité du jeu. Je ferai le guide juste après, vous allez voir. Donc au niveau des vaisseaux, hop, nouveau design, vous dites « Je veux un vaisseau de telle taille ». Voilà, bon, si vous avez vu ma première vidéo de présentation, hein, vous avez vu. Hein, voilà, je prends cette pièce, je l'ajoute là, la pam. Voilà, elle est parfaitement placée là, tu vois. Hop, qu'est-ce que je fais? Bam, je la double. Et voilà, regardez, ça fait le... Je sais pas ce que j'ai fait, mais c'est joli. Voilà. Ensuite, vous équipez avec des vraies pièces, donc qui vont améliorer les caractéristiques du vaisseau. Déjà, l'hyperpropulsion, qui va augmenter son déplacement en nombre de cases. Le propulseur, qui va augmenter son esquive de missile, etc. etc. Vous choisissez les armes, les armures. Vous pouvez faire tout et n'importe quoi. C'est génialissime.
Voilà. Donc là, je parle super vite parce que j'avais envie de faire les généralités en moins de 5 minutes. Et ça fait 4 minutes, 58, 59, 5 minutes. C'est bon, les généralités, c'est fini. On va pouvoir commencer. Alors, dans Galactic Civilization, on vous met aux commandes d'une civilisation galactique qu'il va falloir faire prospérer, hein, à la manière d'un jeu si le meilleur civilisation. Au tour par tour, nous avons diverses races de base. Vous avez ici, plus toutes les races des DLC et les races que vous aurez potentiellement créées, évidemment, ou téléchargées via le Steam Workshop pour ceux qui ont Steam, et tant pis pour ceux qui ont Epic Games. Voilà. Donc on va prendre les humains pour commencer. Hein. Les humains, c'est bien, c'est basique. Donc vous avez des aptitudes. Les aptitudes et un monde d'origine. Le monde d'origine va définir la planète de départ et les astéroïdes autour. Les aptitudes vont permettre d'avoir un petit passif de départ qui va orienter un peu votre gameplay. Par exemple, les terriens, ce sont des ingénieurs. Le taux de détérioration de la production des chantiers et des astéroïdes est réduit de moitié. Et ce sont des colonisateurs, donc ils commencent avec toute nouvelle colonie dispose d'une première amélioration. Voilà, quand les humains y débarquent sur une planète, boum, un bâtiment gratuit. C'est toujours pratique. Donc après, vous voyez, ils ont divers bonus, ils sont productifs, etc. Pour l'instant, ça veut un peu rien dire pour vous parce que c'est obscur. Mais suivez le guide, vous allez voir, ça va être un jeu d'enfant. Alors, la taille de la galaxie peut aller jusqu'à insensé avoir 36 joueurs. Je vous le recommande pas parce que le jeu vous demande 32 gigas de mémoire, j'en ai que 16. Il faudrait peut-être que je passe à 32 un jour. Voilà, moi je vous recommande pour vos premières parties. Hein. Pour vos premières parties, vous prenez petite ou moyenne. Moyenne, c'est 6 joueurs, c'est très bien. Petite, c'est 3 joueurs, c'est très bien aussi. On va prendre une moyenne en dispersé, pareil, vous pouvez prendre en spirale, dispersé. Bon, moi je vous recommande le dispersé, c'est plus équilibré. Difficulté, on va mettre en débutant. Voilà, pour... là vous choisissez les fréquences de tout ce qu'il y a sur la carte, les conditions de victoire, les paramètres de jeu. Alors, pour les paramètres de jeu, n'hésitez pas à mettre la partie en rapide. Pas en aléatoire, non, en rapide. Peut-être pas très rapide, mais en rapide. Pareil pour le taux de recherche, n'hésitez pas à le mettre en rapide. C'est un jeu lent. Quand je dis un jeu lent, c'est-à-dire que Civilization, quand vous jouez en rapide, les parties durent environ 250 tours, 300 tours, maximum. Là, même en rapide, ça peut aller jusqu'aux 400, 500 tours, tranquille. Donc, jouez en rapide. Si vous jouez en normal, la partie va être longue haleine. Après, évidemment, ça dépend le nombre de d'IA, mais rien qu'un 1 contre 1 en difficulté, on va dire en rapidité normale, ça va dans les 100 tours. Hein. Voilà. Ensuite, vous choisissez vos adversaires, évidemment, avec leur difficulté. Petit détail aussi sur la difficulté. Voilà, vous, tout ça là, toutes ces difficultés, vous en foutez. Gardez débutant à la limite facile. Croyez-moi, battre l'IA est très difficile. Je sais pas si c'est parce qu'elle est cheatée, si elle cheat, tout simplement. Ou si elle a plus de chance, ou si c'est moi qui est nul. Pourtant, je connais bien le jeu, hein. Je pense pas que ce soit trop moi. Hein. Oui, je rejette la faute sur le jeu. Mais l'IA, même en normal, parce que moi je joue en normal, pour passer numéro 1 de la carte, faut y aller. Hein. Pour vous dire, dans la partie où on est 24... Je suis premier, unique, même pas en points, je suis huitième en points. Mais je suis premier sur une condition de victoire, et la moitié de la galaxie m'en veut, du coup. Donc je vous dis, ça bourrine. Hein. Voilà. Donc, mettez débutant partout au début, c'est très bien. Et nous allons lancer. Voilà, donc j'ai fait le menu en moins de 10 minutes, c'est beau. Donc nous allons passer à la partie tutoriel, le vrai guide du jeu. J'ai vu que beaucoup de gens commencent le jeu et ne connaissent absolument pas ce qu'il faut faire. Alors déjà, vous avez le tutoriel, et je peux comprendre que le tutoriel est un petit peu naze. Mais voilà. Donc, nous commençons toujours avec une carte de la galaxie. Vous pouvez dézoomer, vous voyez, chaque étoile, enfin chaque petit point représente un soleil, une étoile. Et autour de cette étoile gravitent des planètes. Oui, je te vois, toi, le gars qui croit à la Terre plate. Alors, nous, on commence sur Terre, évidemment. À côté de la Terre, il y a Mars, évidemment. Nous avons aussi Mercure, Jupiter, Saturne,
Oui, non, ça c'est un autre soleil. Je me disais, Cloanis, hein. Voilà. En dézoomant... Attendez, je vais pousser mon micro. Voilà. En dézoomant, nous pouvons remarquer que Mars apparaît avec un rond. D'accord ? Donc ça, ce sont les planètes habitables. Tous les ronds noirs sont des planètes mortes. On ne peut pas aller les habiter. Simplement. Nous commençons la plupart du temps le jeu avec un vaisseau que l'on appelle le vaisseau de recherche et un vaisseau de colonisation. D'accord ? Donc, ah oui, et un vaisseau éclaireur, c'est un petit chasseur éclaireur, mais avec les DLC, ils ont enlevé ce petit chasseur éclaireur. Donc voilà. Donc ce que vous pouvez faire, c'est aller dans Ordre et lui dire Explorer. Pour votre sentinelle, votre vaisseau d'inspection, on va dire, vous pouvez lui dire d'aller inspecter. Sur la carte se trouvent des anomalies, c'est l'équivalent des ruines dans Civilization 5. Votre vaisseau va s'y diriger tout seul. C'est très important de le laisser. Croyez-moi, il va falloir automatiser beaucoup de choses dans ce jeu. Et le vaisseau de colonisation, on peut aller lui dire d'aller coloniser Mars. Là, vous pouvez voir, il bouge. Mais c'est pas ça qu'on veut savoir. Alors, en haut à gauche, l'interface. Nous avons donc la monnaie avec les revenus nets. On voit que je commence avec 5000 et que je perds 0,94 par tour. Ma population, avec sa croissance totale. Le surplus de nourriture. Le surplus de nourriture vient des fermes. C'est très important d'avoir un surplus, sinon vos habitants vont commencer à mourir. Qui dit moins d'habitants, dit moins de production. Qui dit moins de production, dit moins de recherche, moins de militaires, moins de construction, etc. Et quand vous avez un surplus de 5, vous pouvez construire une ville. Et là, une ville, vous allez voir à quoi ça sert, c'est très utile. Les administrateurs, quand vous colonisez une planète, ça va foutre un administrateur dedans, pour la gouverner, entre guillemets. Donc il va vous falloir plein d'administrateurs pour gouverner tout ce que vous allez coloniser. Les administrateurs vont s'augmenter avec le temps, et avec les recherches, simplement les technologies. En haut à droite, nous avons le temps, nous sommes le 1er janvier 2242. Ici, on peut voir tout en haut à droite, là, le bonheur total de notre faction. Ici, donc, c'est le résumé. J'ai une colonie, je suis premier au classement, premier là, troisième ici. Ici, le résumé de toutes mes planètes. Donc, planète colonisée, planète que je peux coloniser. Le résumé de tous mes vaisseaux. Le résumé de tous mes chantiers astronavals. Donc, le chantier astronaval, c'est ceci. Ça permet de fabriquer des vaisseaux. Et mes bases stellaires. Pour l'instant, je n'en ai pas. En bas à droite, nous retrouvons la galaxie, la carte, que vous pouvez dézoomer. Voilà, vous pouvez rester cliqué sur la molette pour bouger, c'est pratique. Les graphiques de puissance, le pouvoir, donc ça c'est le score en fait, c'est le score de chaque faction. Vous pouvez voir, rien qu'avec cet onglet, vous pouvez voir qui domine qui, entre guillemets. Et vous pouvez créer des points de rassemblement pour vos vaisseaux. Voilà. En bas à gauche, nous allons pouvoir regarder les caractéristiques des vaisseaux, ce qui est très 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 important. Un vaisseau possède deux bases, des PV, une classe, du déplacement, un score de déplacement, un score de portée et un coût logistique. Ça, ce sont les attaques et PV, mais on verra quand on fera des combats. Alors, comment ça se goupille tout ça? Vous avez donc le vaisseau, il a 5 points de vie. Quand ça tombe à 0, bah, il est détruit. Ça se fait en combat. La classe va déterminer sa fonction pendant un combat. Par exemple, lui, il a une fonction de soutien. Il va s'en prendre principalement au vaisseau de type intercepteur, et en cible secondaire, il va s'en prendre au vaisseau de type assaut. Voilà. Donc, les vaisseaux de soutien essaieront de rester à l'écart des combats. S'ils sont armés, ils cibleront toute menace à proximité, avec une préférence pour les cibles de moindre résistance. Et les petits intercepteurs. Voilà. Bon, lui, il n'est pas armé, donc lui, il va juste essayer de rester loin du combat. Le déplacement, c'est le nombre de cases qu'il peut bouger. 1, 2, 3. Là, facile. La portée, c'est un peu plus compliqué. 28, ça veut dire en gros, vous voyez ici, j'ai une zone, la quadrillée. C'est sa portée de déplacement sur la carte. Elle est de 28 cases par rapport à ce que vous possédez. J'ai bien dit ce que vous possédez. C'est-à-dire que vous partez de la Terre, vous comptez 28 cases, ça atteint cette limite. Vous voyez que si j'essaie d'aller plus loin que cette limite, il peut pas. Voilà. Tout simplement parce qu'il n'a pas l'outillage, on va dire, assez performant dans son système de survie pour aller aussi loin. Voilà. Vous voyez que je peux à peine aller voir la moitié de la galaxie. Alors là, la moitié de la galaxie avec un truc de base, très fort. Par exemple, si on prend
Lui, vous voyez qu'il peut aller beaucoup plus loin. Si on prend mon vaisseau de colonisation, lui peut aller beaucoup moins loin. D'accord ? Ok. Le coût de logistique, c'est quand on fait des flottes. Si je prends mon vaisseau et que je le mets dans la même case que mon vaisseau d'inspection, les deux vont fusionner et créer une flotte. Vous voyez ? Regardez, détail, hop, voilà. Voilà ma flotte. Vous voyez qu'ici, il y a écrit logistique 7 sur 13. Ma technologie d'ordinateur et tout ça ne peut gérer que des flottes qui font 13 en tout. Donc je peux avoir 50 000 flottes, mais 50 000 flottes de 13 points. Et comme mon vaisseau d'inspection en vaut 6 et mon petit vaisseau éclaireur en vaut 1, ça fait 7. Voilà, donc je pourrais rajouter, pour atteindre 13, 6 vaisseaux éclaireurs ou un seul vaisseau d'inspection, par exemple. Voilà. Donc si je veux les décroiser, je sélectionne tous ceux que je veux décroiser, je fais éjecter. Voilà. Et en fait, là, vous voyez, ils sont sur la même case, mais ils sont sélectionnés différemment. Voilà. Là, je vais lui dire explorer. Ok, jusque-là, tout va bien, vous arrivez à suivre, normalement. En haut à gauche se trouve le bouton civilisation qui permet de gérer. Alors ça, avec les DLC, ils ont tout enlevé, hein, mais bon, là, ils l'ont laissé pour le jeu de base. Ça va vous permettre de gérer les trois grands points de production. Richesse, recherche, fabrication. Vous pouvez choisir entre le social et l'armée, vous pouvez choisir les taux d'imposition, hein, donc pour gagner plus d'argent, mais le peuple sera moins content, etc., etc. Je vais vous montrer les planètes. Comme ça, on va pouvoir voir en fait à quoi sert toutes ces constructions, recherches et tout ça. Et comme ça, vous allez vite comprendre. C'est très simple. En gros, les planètes ont diverses caractéristiques, encore une fois. Vous avez la classe de la planète, ici. Elle est de classe 12. Ça veut dire qu'il y a 12 cases où vous pouvez construire des bâtiments. Tout simplement. Il y a 12 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. Sur certaines de ces planètes, vous avez un petit bonus. Ici, c'est la capitale, donc elle a une résistance de plus 100%. Simplement, la population, c'est sa capitale, donc elle défendra cette planète jusqu'au bout. Elle a double bonus de résistance. Ensuite, vous avez les cases où vous allez pouvoir construire. Sur certaines de ces cases, vous avez des, on va dire, des anomalies, entre guillemets, qui vont vous permettre d'obtenir des bonus en fonction de ce que vous construisez dessus et autour. La flèche verte que vous voyez, le plus 2 à toutes les constructions, ça veut dire que si vous construisez un truc qui augmente toutes les constructions, par exemple, vous voyez l'ascenseur spatial, hein, qui donne plus 1 à toutes les constructions, si vous le mettez là, il sera directement au niveau 5, et donc il donnera plus 5 en plus des plus 1. Ça fera plus 6 en construction. Alors pourquoi plus 5 ? Parce qu'il a plus 1 de base. Plus 2 parce qu'il est sur la case des sources géothermiques, et vous voyez que la capitale, vous voyez bonus de niveau de contiguïté, écrit tout en bas. Contiguïté, ça veut dire adjacent, hein. Et là, vous voyez une petite flèche qui indique d'où vient le bonus. Et bien, la capitale donne plus 3 à toutes les constructions. Donc, plus 3, plus 2, ça fait plus 5. Donc, c'est un excellent emplacement pour mon ascenseur spatial. Voilà. Alors, à quoi ça sert d'avoir toutes les constructions, entre guillemets ? En gros, votre planète, en bas, elle a un score de production brute. Le score de production brute est déterminé par la population. Je m'explique. La population, elle est de 5 sur cette planète. Donc, ma planète produit 5 de production. Un bâtiment comme l'ascenseur spatial coûte 20. C'est-à-dire qu'il va me falloir 5 tours, normalement, pour le faire. D'accord ? En partant de ma production brute. Ah oui, non, pardon. Ça, c'est ma production brute. Voilà. Cette production brute, pardon, est divisée entre les trois pôles de recherche. C'est-à-dire, elle est divisée entre la construction sociale, construction de vaisseaux et la recherche. Voilà. Donc, vous pouvez compter normalement 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà, bon, ça fait 11,6. À peu de choses près, hein. 4, 8, 9, 10... Ouais, c'est ça. Donc évidemment, tout est calculé aussi avec l'approbation. Hein. Plus vous avez d'approbation, plus le peuple est heureux, et plus, vous voyez, il y a un petit bonus, hein, c'est le plus 0,6, quoi. Donc voilà. Donc là, vous voyez que comme j'ai mis tout au centre,
Et richesse, recherche, fabrication. Ah oui, il y a la richesse avec. Vous vous souvenez plus de ça. Quand je vous dis, hein, le jeu avec les DLC, il est complètement différent. Complètement différent. Bref. Vous avez donc la richesse, la recherche et la fabrication. Vous voyez que 5, 4, 4. Et en termes de fabrication, vous avez la fabrication sociale, à gauche en jaune, qui permet de construire des bâtiments, et la fabrication militaire qui permet de construire des vaisseaux. Tout simplement. C'est-à-dire que là, je fais 33%, donc ils sont divisés les 3. Donc 4 et 4, parce qu'ils ont chacun 33% des 11, et 4 ici, et 4 en comptant les deux, pour la production en elle-même. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair. En gros, on a 11,6 répartis dans construction de vaisseaux, social, recherche et revenus nets. Tout simplement. Donc, le mieux, c'est d'augmenter toujours la production brute. Si vous pouvez augmenter la production brute d'une planète, faites-le. Ce sera beaucoup mieux que la construction sociale, vaisseau, ce que vous voulez, c'est brut. Voilà. Donc, dans les bâtiments, on peut voir l'ascenseur spatial augmente de plus 1 toutes les constructions. Donc, vaisseau et social vont passer à 3,6 chacun. C'est cool. L'usine va augmenter de 10%. Alors là, il faut faire attention. Vous voyez que lui, il augmente de plus 1. Lui, il augmente de 10%, l'usine. 10%, c'est 10% de la production pas brute, hein. C'est de toutes les constructions. Donc là et là. C'est-à-dire que 10%, si j'avais eu 10 en construction sociale, ça m'aurait mis à 11. Donc ça aurait fait plus 1. Mais là, je suis à 2,6. Ce qui veut dire que 2,6, bon, j'ai pas envie de compter, mais ça va augmenter à 2,7. Ah, voilà. Ah, hyper rentable au début, quoi. Ça va être rentable plus loin dans la partie, évidemment. Et évidemment, c'est pareil, hein, la recherche, là, on a plus 1, alors que le labo donne plus 7% de recherche. J'espère que je vous ai aidé à comprendre certains bâtiments. Donc pour le début, on va faire l'ascenseur spatial ici, parce que c'est le meilleur bâtiment qu'on puisse faire, là, sur cette planète. Vu qu'elle a un bonus de plus 5, ça va me donner à toutes les constructions plus 6, c'est très bien. Donc, on a tout ça. Vous voyez ici qu'il y a une autre caractéristique que j'ai oublié de parler, c'est l'influence. Alors, l'influence, comment expliquer l'influence? L'influence, c'est l'équivalent de la culture sur civilisation, je vais souvent comparer. C'est la culture, en gros, plus vous avez d'influence et plus la zone autour de votre planète va s'étendre. Vous allez avoir une frontière qui va s'étendre. Cette frontière est hyper importante parce que si une planète à vous se retrouve sous une sphère d'influence ennemie, elle va commencer à changer de camp. C'est-à-dire qu'on peut capturer des planètes sans faire la guerre, techniquement. Et croyez-moi, ça arrive très vite. Pareil, imaginons la Terre, elle a 8 milliards d'influence. Bon, avec 8 milliards, elle prend la map, hein, mais imaginons, elle a 8 milliards d'influence et quelqu'un vient me prendre Mars. Bah vas-y, prends Mars. Dans 5 tours, elle est re à moi, à cause des rébellions. Parce que la Terre influence énormément Mars, et je retrouverai Mars d'ici quelques tours. Donc évidemment, le mieux serait de prendre les planètes frontalières. En fait, ce système permet d'éviter les mecs qui vont rusher votre capitale. Parce que ça sert à rien, toutes les planètes autour, si votre capitale n'est pas très influente, toutes les planètes autour vont rétablir l'influence et donc réabsorber votre capitale dans la sphère d'influence de votre nation. Donc ça servira à rien aux gars de vous prendre votre planète mère comme ça dès le début. Enfin là si, là oui, là il peut prendre la Terre dès le début, j'ai perdu, mais quand vous avez plein de planètes, ça sert à rien. Donc ça permet en fait de faire des guerres plus frontalières plutôt que de rusher directement à l'intérieur. Évidemment, si vous avez plein de planètes nulles et qu'il n'y a que la Terre qui a de l'influence, eh ben le mec il prend la Terre. Et ben du coup, ça passe sous son influence et toutes les planètes autour vont tomber sous son influence puisqu'il aura la Terre. Donc faites très attention avec l'influence, c'est vraiment à double tranchant. Les planètes très influentes, il faut les défendre. Les planètes pas très influentes, c'est pas grave si vous les perdez. Vous allez les reconquérir avec l'influence. Mais les planètes influentes, il faut que ce soit vos cibles et il faut que ce soit vos défenses. C'est tout. Donc on va coloniser Mars déjà, au prochain tour.
Ensuite, nous avons le chantier astronaval. Bon, bah... Alors, pour les premiers tours, je vous conseille, sur cette version du jeu, là, sur la version sans les DLC, de faire 2-3 éclaireurs. Moi, j'en vais au moins en faire un. Vous voyez, 18 tours. 18 tours parce qu'il me faut 45 de production, et ma planète en militaire, elle produit que 2. Alors, moi, imaginons, hein, j'ai pas envie de gagner des sous. J'ai 5000 pièces. Qu'est-ce que je m'en branle des sous? Elle est là. Allez, les sous, je m'en tape. Bam! Je veux faire un 50-50. Voilà. 50% recherche, 50% là. Et comme j'ai pas envie de faire des vaisseaux, je veux faire des bâtiments rapidement, on va faire un petit 75. Voilà. Je vais mettre 6 points dans le social, 2 points dans l'armée. Vous allez voir que là, c'est passé à 24 tours. Et que là, c'est passé à 4 tours. J'ai diminué de moitié les temps de construction de mes bâtiments. Et au début, je vous conseille de faire ça. Même des fois de passer à 100% de production sociale, quitte à oublier les vaisseaux. Parce qu'il va falloir rusher les bâtiments très vite. Les recherches. Alors les recherches, vous avez 4 pôles. Alors on va mettre l'arbre, hein, ça sera plus logique pour parler. On a 4 pôles majeurs. Ah, j'ai un peu faire mal au... Nous avons la colonisation. Nous avons l'ingénierie. Sciences militaires et le gouvernement. Toujours pareil, sans les DLC, croyez-moi, il y a beaucoup moins de choses, mais c'est pas grave. La colonisation va vous permettre d'améliorer vos planètes, de manière générale. L'ingénierie va vous permettre d'améliorer tout ce qui est support des vaisseaux. Ça va vous permettre d'améliorer le déplacement des vaisseaux, leur portée de déplacement, leurs propulseurs... leur système de survie, ça va permettre d'augmenter tout plein de trucs des vaisseaux, mais aussi d'améliorer vos stations stellaires. Les stations qui vont faire tout plein de choses, vous allez voir, c'est génial. La science militaire, est-ce que j'ai besoin d'expliquer? Système d'armement en haut, système de défense en bas, et au centre pour faire des invasions planétaires avec les soldats au sol pour conquérir des planètes. Seule façon de conquérir une planète... d'envoyer des soldats au sol. Il vous faut cette technologie. Voilà. Et le gouvernement va vous permettre d'améliorer tous les aspects financiers, plutôt va vous permettre de gérer le peuple sur les planètes. Ça va vous permettre de générer avec du xénocommerce énormément d'argent, du tourisme, de faire de la diplomatie, augmenter votre influence. Ça va faire beaucoup de choses. Donc le gouvernement, pour moi, c'est le deuxième pôle, enfin c'est même le pôle le plus important, pour à peu près tout, notamment le tourisme qui est assez pété. Voilà. En gros, le tourisme, ça vous donne un pourcentage d'argent de votre influence. Si votre planète Terre a la 8000 d'influence, vous gagnez 1% des 8000, ça vous fait un bon gros revenu. Hein. En gros, si vous gagnez 10 000 et que vous avez 1%, vous gagnez c'est 100, c'est ça? Ouais, 100 balles, comme ça, tranquille, par tour. Ça peut devenir très intéressant. Si vous jouez influence, le tourisme... truc de fou. Voilà, donc vous avez tous ces pôles. Évidemment, il va falloir choisir un pôle. Pour le début, il y a deux choix possibles. Il y a le choix qu'on appelle le choix de l'explorateur, c'est-à-dire que vous allez tout de suite foncer sur le voyage interstellaire. Il va vous permettre d'avoir les hyperpropulseurs plus, ainsi que des modules de capteurs un peu améliorés, et ça vous donne plus un au déplacement pour tous les vaisseaux. Très utile pour explorer la carte directement. Et la deuxième que je vous recommande très rapidement, c'est la colonisation avec la xéno-industrialisation, évidemment, qui va vous permettre de débloquer les usines améliorées, donc pour avoir plus de prod dès le début, que ce soit labo de recherche ou usine, hein, l'un ou l'autre. Et la planétologie, qui va vous permettre de faire des villes. Les villes, vous voyez que la population, elle est limitée à 8. Pour augmenter la limite max d'une planète, il faut des villes. Et tout, des villes. Et pour construire des villes, il vous faut de la bouffe en surplus, plein. Voilà. Vous avez de la bouffe, vous faites des villes. Les villes donnent des bonus de plus 1 à tout ce qu'il y a autour d'elles. Par exemple, foutre une ville ici, là, ce serait idéal. Mais ça augmente surtout la pop max. Et qui dit plus de pop max, dit plus de production brute, qui dit plus de production sociale, recherche, revenus, argent, pognon et gonzesse. Voilà. Donc c'est très important. Donc on va passer un tour. Et hop, ils vont explorer. On colonise Mars. Ouais. Voilà.
Way va devenir un mème. Vous avez donc la construction sociale qui est là, la construction de vaisseaux, recherche, influence, etc. On voit que Mars est une planète de classe 6, hein, c'est un peu pourri. En plus, les cases sont pas reliées entre elles, donc impossible de faire des bonus. On a quoi? Des cavernes pour la construction de vaisseaux. Génial, nul à chier. Plus 1 à la richesse si je mets un bâtiment de richesse à côté. Ça sert à rien. Bon, on va mettre mon ascenseur spatial ici. Voilà. Parce que pourquoi pas. Et vous voyez que la planète Mars, elle peut avoir que 3 de pop. 3 meuleux pop. Alors, avec les recherches de planétologie, ici, vous allez pouvoir faire, voilà, modernisation des sols. C'est une construction qui va vous permettre de récupérer une case. Donc, la planète Mars peut monter 7... 7... Je vais vous dire ça, hein. 7... 8... 9... 10... 11... 12. Terraforme le reste des... Ouais, voilà, même... Voilà. Alors avec ça, vous pouvez récupérer la quantité de terre utilisable sur toutes les planètes colonisées, voilà. Avec cette technologie, donc, vous pouvez récupérer... Votre planète de classe 6 peut devenir une planète de classe 22. Il n'y a pas de souci. Donc, vous voyez, la planétologie, très important pour améliorer votre vaisseau. Alors, nous voyons ici qu'une ligne est apparue et qui va vers le chantier spatial. C'est parce qu'en fait, le chantier spatial, pour construire, il a besoin de construction militaire. Et vous avez en bas à gauche, modifier sponsor. Voilà. Et en fait, les sponsors, ce sont les planètes. On peut voir que la Terre donne 1,96 de fabrication. Mars en donne 1,48. Elles donnent un petit pourcentage de leur fabrication militaire. Et pourquoi elles ne donnent pas 2 si elle a 2, la Terre ? Hein, pourquoi elle donne 1,9 ? Ben simplement parce qu'il y a une distance, vous voyez ? Et plus la distance est loin, plus, le don de points de construction va être détérioré. C'est là où intervient le fameux bonus des terriens qui dit que ce sont des ingénieurs et que la détérioration due à la distance est réduite de moitié. Enfin, je sais pas si je suis clair, hein, mais... Voilà. Alors... On va continuer. On va faire un truc très couillu. On va directement fabriquer un constructeur et on va le rusher. Ça va me coûter 1200 pièces. N'hésitez pas à rusher aussi au début. Hein. Construisez, voilà. Voilà, vous voyez, la frontière, elle a augmenté parce que mon influence a augmenté. Une anomalie, voilà. Donc ça, ce sont les anomalies, hein, ce sont les fameuses ruines, entre guillemets. C'est un tour. Voilà. Les vaisseaux de type constructeur, ce sont les ouvriers de civilisation, littéralement. Ils vont aller vers les ressources et les capturer pour vous. Donc les ressources, vous en avez plein. Vous avez le durantium, vous avez l'antimatière, vous avez le prométhion, vous avez le thulium, vous avez l'hélérium. Chaque ressource vous permet d'avoir des bonus sur diverses choses. Par exemple, le prométhion est indispensable pour les labos. Le durantium va vous permettre de renforcer les bases stellaires, mais surtout les coques. Là où l'antimatière, elle, va faire dans la génération énergétique, les plateformes de missiles, donc améliorer des missiles. Vous allez débloquer des... Plus tard, pour fabriquer des vaisseaux, vous allez avoir besoin de mettre des lanceurs de missiles améliorés, et ce seront des lanceurs de missiles à antimatière. Donc il va vous falloir de l'antimatière pour fabriquer vos vaisseaux. Pour récupérer ces ressources, il va falloir positionner votre vaisseau, par exemple, voilà, de telle sorte à ce que les ressources que vous voulez soient dans sa sphère d'influence, vous voyez, il y a un rond. Ensuite, vous faites ordre, vous faites construire une base stellaire, là, qui est cachée par ma glorieuse tête. Voilà. Bravo, vous avez une base stellaire. Et là, vous allez pouvoir lui donner une amélioration, c'est une voie, vous pouvez pas changer de voie. Moi je veux qu'elle récupère des ressources, donc ce sera un cercle minier. Si je veux qu'elle étend sa mon influence, donc c'est littéralement une petite planète qui étend son influence, c'est le cercle culturel. Très utile pour soutenir, justement, vous les mettez en frontière, pour étendre votre frontière. Très utile. Le cercle économique, alors ça c'est très fort aussi. Il faut que chacune de vos planètes ait une station qui fasse ça. Ça permet d'augmenter de quelques pourcents
la production brute et d'influence des planètes qui sont dans sa sphère. C'est-à-dire que là, si lui, je l'avais mis entre... Enfin, si j'avais Mars et la Terre dans mon rayon d'influence et que je choisis économique, les deux auraient plus de production brute. Et c'est cool. Et plus de... d'influence aussi. Et le cercle militaire, c'est juste pour le transformer en forteresse. En gros, votre base stellaire va devenir une forteresse, vous allez pouvoir mettre des vaisseaux dedans pour les protéger. Pareil, vous les mettez à la frontière, et quand vous avez besoin de faire la guerre, vous ramenez vos vaisseaux à l'intérieur, les vaisseaux qui sont presque cassés ou endommagés, vous les ramenez dans la base stellaire, ils seront protégés par celle-ci, ça devient une forteresse. Et d'ailleurs, vous pouvez lui mettre des petits systèmes de défense, histoire qu'il puisse se défendre aussi. Alors tout ça coûte, hein, vous voyez, ça coûte 100 pour les systèmes de défense, mais choisir son cercle est gratuit. Cercle minier. Alors, je vais pas acheter 100 pour qu'il ait plus d'attaque et de défense, parce que, bon, personne va l'attaquer. Voilà. Et donc, il est là. Il est là. Et là, je vais devoir avoir, normalement, de l'antimatière et du durantium au prochain tour. Voilà. Première mine de durantium, fait. Première mine d'antimatière, fait. Et là, vous voyez qu'il y a des lignes pour indiquer qui récolte quoi. Et en haut à gauche... Tadam ! Je produis. Je produis à 0,10 par tour. C'est-à-dire que dans 10 tours, j'aurai 1 d'antimatière et 1 de durantium. Évidemment, avec les technologies, vous avez parlé, notamment en ingénierie. Alors, je ne sais plus lesquelles c'est. C'est vrai que ça a tout changé. Boost le rendement de ressources qui lui sont rattachées. Voilà. Vous allez donc là, fabrication orbitale, qui va vous permettre boost la fabrication de tous les mondes, on s'en fout. Le rendement de ressources, voilà. Qui va vous permettre d'avoir la baraque d'extraction, qui va améliorer de 0,10 l'exploitation minière. Donc je vais passer de 0,10 à 0,20. Et donc ce sera en 5 tours que j'aurai mes ressources. Tous les 5 tours, j'aurai 1 de ressources. Voilà. Alors, on va en refaire un, constructeur. Donc, vous avez vu que les constructeurs, c'est fort, hein, mais voilà. On va refaire une recherche. On va partir sur la planétologie. Parce que moi, je veux améliorer Mars. Moi, je veux que Mars soit une belle planète. Alors, le cœur informatique, c'est une par planète. C'est important d'en avoir une. Le seul endroit qui pourrait être sympatoche, c'est là, puisqu'elle donne un bonus. Ça donne un bonus à la recherche, donc faisons-le. Vous voyez que je suis passé à 12, là. L'ascenseur spatial me donne plus 6 grâce à son emplacement. C'est fort. C'est-à-dire qu'avec seulement 11 de production brute, j'arrive à faire 12 de construction sociale. C'est très fort. Dès le début, là... Ah, on booste, hein, on y va. Hein. Pareil, là, je pourrais mettre ça ici. Ça donnerait plus 1. Donc ça passerait à 13. Et en plus, ça me donnerait 10% en plus. Donc 10% de 13, ça ferait... 12, 13,1. Un peu nul à chier, mais bon, voilà. Je suis très nul en maths comme ça, là, sur le tas. Hein. Alors, évidemment, on va arriver dans un dernier aspect du jeu que je voulais vous montrer, et ça fera bientôt 40 minutes. Vous allez avoir des choix à faire. Ces choix vont vous permettre donc de gagner des points de bienveillance, de pragmatisme ou de malveillance. On va partir sur du pragmatique, hein, par exemple. Ah oui, alors comme j'ai pas le traducteur, je comprends pas ce qu'il dit. Je vais travailler sur le tracteur. Hein? Hein? Vous faites un sourire et vous hochez la tête comme si vous compreniez. Ouais. Ouais. Et on va emmener ce constructeur là-bas, que je vous montre un tout petit peu. L'étendue du... Colonie en attente. Ah oui, ben, c'est pas quoi faire. Et ben, tu vas rien faire, j'aimerais réserver ça pour autre chose. Donc quand vous avez rien à faire, vous m'aidez à aider la recherche. Voilà. Comme j'ai dit, aider la recherche. Et ah, bah voilà. Alors les xénofermes, hein, surplus de nourriture, 2. Et une ville, ça vaut 4, pardon, 4 de nourriture. Et ça coûte aussi du durantium et du prométhion. Hein, donc faire une ville, c'est pas facile. Aider la recherche, comme ça. Et vous faites répéter. Voilà. Comme ça, il va répéter à l'infini. On a débloqué la planétologie.
Alors, arrivé à ces trucs, vous allez avoir des spécialisations. Vous pouvez en choisir qu'une. La seule façon d'avoir les autres, c'est de les échanger avec les autres factions. Donc moi, production brute. Surplus, non. Croissance. Croissance, c'est pas mal. Ça permet d'avoir plus de pop. Mais je préfère la production par pop. Nickel. Il y a tout ce que je veux. Juste se décaler d'un cran. Ah, au prochain tour. Tour, je me décale d'un cran. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la sphère d'influence, lui? Là, il y a de l'hélérium. Bon, l'hélérium, c'est sympa, ça permet de faire des rayons laser plus puissants. Et nous avons ici un truc un peu bizarre, un cristal d'ascension. Capturer et étudier les cristaux des précurseurs pour apprendre les secrets de la transcendance vers un plan d'existence. Bref, c'est une condition de victoire. En gros, vous allez gagner un point de cristal par tour parce que j'ai un cristal. Et quand vous arrivez à 1000, souvenir c'est 1000 ou même un peu plus, 2000 je crois, vous avez gagné la partie. Évidemment, va pas falloir attendre 2000 tours, il y a des cristaux partout sur la carte, va falloir les capturer. Et vous avez des recherches qui permettent d'améliorer le rendement, passer de 1 à 2, de 2 à 3. C'est comme ça que je suis en train de gagner dans l'autre partie où on est 24 alors que je suis 8e dans le classement. Parce que j'ai capturé 4 cristaux d'ascension, j'ai fait plein de recherches pour booster. Chaque cristal me produit 5 ou 6. Du coup, il me reste plus que 100 tours avant de gagner. Donc là, vous avez les 24 autres factions, enfin les 23 autres factions qui sont en mode. Oh, il niquait sa mère, lui! Voilà. Même mes anciens alliés commencent à se retourner contre moi. Ah, voilà. Et nous avons les reliques. Les reliques vont vous donner un bonus passif de son type. Là, c'est une relique culturelle, donc ça va augmenter mon influence de toutes mes colonies et bases stellaires. Là, on va faire ça. Là, vous allez voir, il y a un nouveau cercle qui est apparu, le cercle de Xénolabo. Et ce cercle est gratuit, c'est-à-dire que vous pouvez prendre par exemple le cercle minier, voilà, pour que je puisse récupérer l'hélérium, et le Xénolabo, voilà, qui va récupérer le cristal. Voilà. Le Xénolabo est toujours gratuit on va dire, quand la base stellaire peut le faire, elle le fera. Elle vous le proposera. Et donc là, pareil, le Xénolabo permet de récupérer les reliques. Et donc, au prochain tour. Voilà, je récupère ma relique et j'ai ma sphère. Comme j'ai une sphère d'influence, hein, une relique culturelle, vous voyez, 5% pour toutes mes colonies. C'est toujours bien. Dernière chose, les astéroïdes, vous pouvez construire des bases dessus. Ça va vous donner un point de production brute. Ça coûte 100 à fabriquer. Donc, dès que vous avez des astéroïdes dans votre zone de frontière, construisez tout de suite. Au bout de 5 tours, c'est construit. Bam, vous avez plus un à la planète. Vous pouvez même choisir la planète à qui vous voulez affecter l'astéroïde. Ultra utile. Voilà, voilà. Alors, la dernière chose qui me reste à vous expliquer, c'est les combats. Comment se déroulent les combats? Alors, je vais pas vous en montrer un là tout de suite de combat, mais on peut regarder le détail de ce vaisseau. En gros, c'est très simple, vous avez les attaques laser, les attaques missiles, les attaques cinétiques, et vous avez leurs défenses respectives. Donc le bouclier, parce que le bouclier va dévier les lasers, absorber les lasers, pardon. Comment on appelle ça? Les leurres. Les leurres vont leurrer les missiles, hein, donc en gros, on vous tire un missile je sais pas, qui détecte par la chaleur, vous balancez des leurres, et les missiles sont déviés. Et le blindage contre le cinétique, évidemment le cinétique c'est juste un gros canon, ça vous tire des balles dessus et donc c'est votre blindage qui va prendre. Voilà. Faites des armées basées sur une attaque et une défense en fonction de votre ennemi. Si votre ennemi commence à faire énormément, vous voyez qu'il a énormément de missiles et de boucliers, et bah faites pas des lasers, faites du cinétique et comme il utilise du missile, mettez des défenses de points vos vaisseaux. Évidemment, l'IA est très maligne et elle s'adapte. C'est-à-dire que si elle vous voit faire ça et qu'elle est en guerre contre vous, elle va vous faire le contre-contre. Donc c'est à vous de faire le contre-contre-contre. Faire une armée composée d'un peu de tout, c'est bien, mais ça veut dire qu'il y a un tiers de vos vaisseaux qui vont servir à rien parce qu'ils vont se prendre la défense adverse. Voilà. Donc à vous de gérer attaque, défense, ce qui va être le mieux, ainsi qu'évidemment le rôle dans la bataille de chaque unité. Lisez, lisez. Franchement, le jeu lisait plein de trucs.
Sachez à quoi sert un vaisseau de type escorte comme rôle. Sachez quoi mettre comme un truc. Enfin voilà. C'était donc le guide de Galactic Civilization. Je vous retrouve juste après pour un aperçu de ce que peut donner une partie avec les DLC. Je vous retrouve à tout de suite. Et me revoilà. Alors, je vais vous montrer. Donc là, j'ai activé tous les DLC du jeu. Donc j'ai toutes les factions, les sous-factions. Faut savoir que comme j'ai eu la chance d'avoir le jeu peu de temps après sa sortie, ben, j'ai eu la chance de pouvoir acheter les DLC au fur et à mesure. Et surtout, j'ai tous réussi à les avoir à moitié prix, parce qu'en fait, j'ai dit au fur et à mesure, mais j'attendais toujours 6 mois. Le jeu n'étant pas spécialement connu, il tombe très souvent et très vite en réduction. Donc du coup, bah... voilà. Après, c'est vrai que maintenant qu'il a beaucoup de DLC, il fait cher. Ça, je le conçois, il fait très très cher. Donc voilà, ça va durer 2 minutes. C'est juste le temps de vous montrer à quoi ressemble une grosse partie à 30 joueurs, le potentiel du jeu. Et le petit instant promo du jeu. C'est un jeu... alors, évidemment, je suis pas sponsorisé pour faire cette vidéo, quoi que ce soit. Hein, je le fais vraiment sur le coup du... oh lol, c'est sorti sur EGS. Et ma vidéo de présentation, elle est passée de 400 vues à 8500 vues. Ce serait peut-être temps que je fasse une vidéo qui ait plus d'actualité parce que le jeu a complètement changé. Alors déjà, vous voyez, c'est le bordel. Qu'est-ce qui se passe sur la map, là? Alors, ce qui se passe, c'est que je joue les Terriens. C'est une campagne que je fais sur Twitch, donc en stream. Donc n'hésitez pas à venir me regarder, hein, Mundus Bellicus, hein, toujours. Moi je suis Aragox, vous pouvez aussi y retrouver Résus, Vilcoyote et d'autres streamers. Mais évidemment, vous venez pour moi. voilà. Donc, j'en suis à une partie très avancée, j'en suis au tour numéro 212. Vous voyez que là, comme je vous ai expliqué, j'ai 7 cristaux d'ascension et dans 149 tours, j'ai gagné. Et du coup, ça fait pas plaisir à tous les autres. Vous pouvez voir des traits blancs, ce sont des routes, donc créées avec, via des portails qui font des routes comme ça, là, des hypervoies. Nous avons la Terre qui possède 19 000 d'influence, voilà, hein, j'en gagne 146 par tour. Vous pouvez voir que là, voilà, niveau population, on est à 10 sur 10, j'ai 19 de production avec des biens stockés, c'est les surplus de production... Avec le revenu du tourisme, rien que le tourisme, comme j'ai 18 000, 1% de 18 000, c'est 187. Au niveau des revenus, je touche 187. Allez. Ciao, bye bye. 249 venant de la planète. Je dispose aussi d'autres capitales. Par exemple, la capitale des Onyx. Qui, elle, me rapporte 142. Ils me l'ont donné. Hein. Je les ai pas eu. J'ai pas eu lieu à faire avec l'influence. Vous voyez que mon influence s'étend même par-delà les contrées. Et je suis en guerre ici, hein, vous pouvez voir, en guerre contre les Maulings, ces viles créatures. Regardez-moi cette diplomatie de fou! La moitié de la galaxie est en guerre contre moi, j'ai un seul allié et la plupart des gens... alors eux ils m'aiment bien, eux ils me détestent mais ils sont pas encore en guerre. On a fait la paix il y a pas longtemps. Eux ils me détestent mais on est toujours pas en guerre. Eux ils me détestent mais on est toujours pas en guerre, eux pareil. Tout le reste je suis en guerre. Nous avons le détail des PU, donc les planètes unies, c'est l'équivalent des Nations Unies. Hein. En termes de puissance, je suis loin derrière quand même. Hein, comme vous... Ah, loin derrière? Non, ça va. Ouais, vous avez les Trandals, les Altariens, les Ronds de Cuir, les Mokai et les Terriens qui sont là avec 2500 points. Par contre, vous voyez que les Trandals, ils ont 4000 points. Insane. Insane. Les Trandals libres, je sais plus où ils sont. Je crois qu'ils sont... de l'autre côté, ouais, voilà. Par rapport à moi, ils sont de l'autre côté. Ils sont là. Par là. Eux, on va pas les faire chier. Vous voyez que j'ai une planète ici. Voilà, c'est juste la corporation Iridium qui s'est rendue et a décidé de me donner sa planète. Pareil là-bas, nous avons les Archéens qui ont été vaincus et qui m'ont donné leur capitale pour que j'en prenne le contrôle. Du coup, j'y ai mis énormément de vaisseaux, hein, en défense, hein, comme vous pouvez le voir. Vaisseaux très stylés d'ailleurs. Donc voilà, voilà. Sinon, au niveau du potentiel, nous avons le système des citoyens qui est apparu, qui permet de former des citoyens hop, à divers tâches. Et ensuite, vous pouvez répartir ces tâches de deux façons, soit ici. Vous voyez que ça a complètement changé le menu. Hein.
soit ici pour avoir des bonus passifs de 3% par bonhomme, soit vous le mettez directement sur une planète pour avoir 30% que sur la planète. Et les bonus sont divers, vous avez des artefacts sur les planètes que vous pouvez débloquer, hein. Il faut faire des recherches, et ces artefacts permettent de débloquer des effets insane. Hein. Genre par exemple, j'ai une flotte, je sais plus où, là, la 8000, là, je sais plus combien, où je l'ai mis cette flotte. Bon, j'ai une flotte quelque part, là, qui a 200 et quelques d'attaque et de défense, alors qu'il y a 3 vaisseaux dedans, parce que j'ai foutu plein de bonus. L'idéologie n'a toujours pas changé. Alors ça, je voulais pas présenter tout à l'heure l'idéologie parce que j'avais pas assez de points. Mais en gros, vous avez bienveillant, pragmatique, malveillant. Et bon, ben, à vous de découvrir ce que vous préférez. Hein. La bienveillance, c'est la colonisation et la recherche. Le pragmatisme, c'est la monnaie et l'industriel, la production. Et la malveillante, c'est la richesse, enfin le bonheur entre guillemets, et le militaire. Voilà. Voilà. C'est pas très changeant par rapport au jeu de base. Nous avons le bazar galactique qui permet de recruter des mercenaires. Nous avons le marché galactique qui permet d'acheter et vendre. Voilà. Alors, voilà ce qui s'est passé, c'est que j'ai coupé mon micro en faisant... Voilà, parfait, je suis un génie. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Qu'est-ce que je peux montrer d'autre? Non, ben, y a pas grand-chose d'autre. Après, il y a énormément d'ajouts au niveau des ressources, comme vous pouvez le voir. Il y a énormément d'ajouts au niveau des bâtiments aussi, hein. Je sais pas si là, par contre, vous pouvez le voir, ouais, y a énormément de bâtiments. Le système de combat a été refondu, maintenant vous faites des garnisons que vous pouvez mettre dans des vaisseaux de transport de troupes qui vont attaquer, vous pouvez faire entre guillemets les combats au sol en choisissant l'emplacement de débarquement, etc., etc. Bref, le jeu a un énorme potentiel pour peu que vous y mettez le prix, et le prix est assez élevé, donc prenez tout en réduction, vraiment. Vous avez donc les DLC, je vais vous les dire, les bons DLC à prendre... Alors, c'est pas des DLC d'ailleurs, faites très attention, c'est des extensions. C'est-à-dire que si vos potes n'ont pas les extensions, vous pouvez pas jouer avec vos potes qui n'ont pas les extensions. Donc, si le jeu de base vous convient, restez sur le jeu de base. N'achetez rien. Hein. Voilà. Achetez que si vous pensez que vous allez faire du solo. Alors, les DLC importants, nous avons. Crusade. Très important, Crusade. Intrigue. Rétribution, voilà. Crusade, intrigue et rétribution, ainsi que mercenaries. Il y en a un que c'est mercenaries, j'ai oublié son nom. Ouais, voilà. Et mercenaries, voilà. Mercenaries, crusade, rétribution et l'autre, intrigue. Très important d'avoir ceux-là. Ces quatre-là sont les plus importants. Ce sont ceux qui, en plus de rajouter des nouvelles factions, vont rajouter des éléments de gameplay. C'est dans ces quatre DLC-là que vous allez avoir... les types de gouvernement, les idéologies, les artefacts, l'espionnage, le marché, le bazar, les citoyens, tout vient de ces quatre. Tout le reste, c'est du bonus. Par exemple, vous avez le Précurseur World qui va rajouter des mondes précurseurs sur la carte. Sympa, ça rajoute un petit peu de variété sur la carte, mais sans plus. Les méga events, les Lost Treasures. Et les trésors perdus, voilà. La prophétie des Altariens, ça rajoute des campagnes, ça rajoute des éléments pareils sur la carte en elle-même pour la diversifier, mais ça va pas changer le gameplay radicalement. Et tous les autres DLC, évidemment, hein, ce sont des morceaux de vaisseaux pour que vous puissiez construire des vaisseaux. À savoir qu'il y a des concours de vaisseaux. Hein. L'éditeur de vaisseaux est tellement bien fait qu'il y a des concours. Des fois, il y a des gens, ils ont acheté le jeu juste pour faire ça. Voilà. Vous avez le jeu gratuit, donc profitez-en, faites plein de vaisseaux, c'est marrant. Et voilà, ben, j'ai pas grand-chose d'autre à dire en plus. Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à passer sur Mundus Bellicus, le site, Mundus Bellicus, le Twitter, Facebook, et même, évidemment,
le Twitch, où vous pouvez me retrouver régulièrement avec Résus et Vilko. En ce moment, c'est nous trois. Ça peut changer, ça peut varier. On stream un peu quand on veut, on stream quand il y a des événements. Des fois, on peut vous proposer des avant-premières de jeux. Donc partagez, likez, faites tout ce qu'il faut. Je compte sur vous. À plus et à la prochaine. Ciao.